Bonjour, je suis Monsieur Yala Dutronc-Chardel-Tressel, votre professeur de chinois. Et la fois dernière, on a étudié la forme négative de la phrase à prédicat nominal, la phrase à prédicat verbal et la phrase à prédicat adjectif. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec la phrase à prédicat sujet-prédicat, sa forme négative. Alors, on a le numéro 4. Alors, ici, on dit Zouéwéjuda. Alors, Fodin, on connaît que c'est la négation. Alors, si c'était Kending, l'affirmation. Donc, ici, on dit Zouéwéjuda, Fodin, Singshi. Singshi, c'est pour dire la forme. Zouéwéjuda, Fodin, Singshi, j'ajoute du. Zouéwé du dafoding singe. Donc ici, Zouéwé du dafoding singe. Zouéwé du dafoding singe. Alors ici, on dit Zai wei yu dung da zuwe jiego de wei yu tian jia fu ding fu si pu. Zai wei yu dung da zuwe jiego de wei yu tian jia fu ding fu si pu. Donc ici c'est pour dire que nous dans la partie du prédicat, précisément dans la partie de la construction sujet-prédicat, on emploie la forme négative avec l'adverbe de négation pou. Alors pou ici, c'est l'adverbe de négation, raison pour laquelle en chinois on dit foding fou se pou. Si c'était le keding fou se, on devait dire ren. Alors comme c'est la forme négative, ici on doit employer pou parce que on dit zai, zai c'est don. Zai wei yu jung, dans la partie du prédicat de Zhuwei Diego, là où il y a le sujet prédicat, une construction sujet prédicat, de Wei Yu, Tien Jia, dans la partie du prédicat, Tien veut dire devant, Jia, c'est pour dire ajouter. Tien Jia, Fo Ding Fu Si Pu. Alors ici, on a écrit Pu, hein? Liru, pour dire par exemple, exemple, on doit lister quelques phrases. Liru, Laoshi, I, pour dire la phrase numéro 1. Laoshi, Laoshi, Shanti, Laoshi, Shanti, Shanti, Puhao, Laoshi, Shanti, Puhao. Ça, c'est sa phrase. Parce que lorsqu'on analyse la phrase, on veut analyser cette phrase, nous allons dire ici, Laoshi Shizuyu. Donc, on doit d'abord dire, Chuanpu Shi Shenma. Chuanpu. Chuan, donc, ici, tout ça, cela veut dire quoi sur une phrase? Chuanpu Shi Chuse. Chuse. Pour dire que non, c'est d'abord une phrase. Na, Laoshi, Shi Shenma Sile. On a étudié les Sile. Laoshi, Shi Shenma Sile. Shanti, Ye Shi Shenma Sile. Pu, Shi Shenma Sile. Hao, Shi Shenma Sile. Dès lors qu'on a eu à étudier les Sile, donc si on pose la question, Laoshi, Shi Shenma Sile, Zhou Shenma Changfen. Le Changfen aussi, on a étudié. Alors, Changfen, Fa Yu Zamasho. Laoshi Shi Shenma Sile. Ici, nous allons dire que non, Laoshi Shi, Ming Si, Li Mian Da Chu Zhe Zhou Shenma. Ming Si, Zhou, Zhu Yu. Nous avons dit Dao, Laoshi Shi, Ming Si, Zhou, Zhu Yu. Il nous est, Shen Ti, Pu Hao, Ye Shi, Ige Jie Gu. Nous, Shen Zhe, Bien, Ye Shi, Zhu Yu, Zhu Yu, Pu Fen, Zhu,
yeyo ige duwe Diego, hayo ige duwe Diego. Donc dans cette partie du prédicat, on a encore une construction sujet-prédicat. Alors, on doit quand même faire un petit croquis. Vous allez quand même suivre. Là, c'est pour dire là aussi, on écrit Djoui. Là aussi, c'est Djoui. Shanti pour Hao. On a notre Wei. Ici, c'est le Wei. On peut dire aussi Wei pour Fen. Pourquoi pour Fen? Parce que le pour Fen veut dire la partie. Alors, dans la partie du prédicat ici, on a encore une construction sujet-prédicat. Donc, ici, Shanti, Shanti Pukao. On peut aussi le dire Shanti Pukao. C'est aussi. Donc, le Shanti ici, c'est un sujet. Pukao ici, c'est la partie du prédicat. On va dire ici Shanti Yeshi. Zouyu Pukao Shi Weyu. Voilà. Donc, c'est là où on dit Zai Weyu Dung de Zouwe Diego. De Weyu Tien Dia Poding Fousse Pou. Il y a l'exemple ici. La première partie, on a d'abord le sujet et le prédicat. Et dans la partie du prédicat, on a encore le sujet. Le sujet et le prédicat. Dans la partie du prédicat, on a encore le sujet et le prédicat. Raison pour laquelle ici, ça crée une construction sujet-prédicat. Ici, là, ça crée une construction sujet-prédicat. C'est là où on dit en chinois. Doué, oué, yu, du. Donc, doué, oué, yu, du. Du, c'est la phrase. Doué, sujet, prédicat, prédicat, encore. Et du, la phrase. De, fouding, sing, shi. Alors, zai, oué, yu, du, da, doué, diego. Donc, doué, diego, c'est pour dire une construction, sujet, prédicat. Da, oué, yu, tiens, dia. Fouding fousse pour. Raison pour laquelle on a notre négation ici. Parce que dans la partie du prédicat ici, précisément, dans la partie du prédicat aussi, dans la partie du prédicat, on ajoute la négation pour. Alors ici, on ne peut pas dire aussi mei, hao. Non, c'est juste pour. Laoshi, shanti, pour hao. On ne peut pas dire laoshi, shanti, mei, hao. Non. Alors ici, pourquoi pour? Parce que ici, pour. C'est l'adverbe de négation. Et c'est juste pour modifier l'adjectif hao, donc employé aussi, si dans d'autres phrases, employé comme complément circonstanciel. Mais ici, c'est une phrase à prédicat, sujet, sujet, prédicat. Et sa négation, on doit avoir pudding fousse pour. Donc l'adverbe de négation. Ça, c'est une première phrase. Et la deuxième phrase, on a Ali, ceci. Deuxième phrase, on dit Agatuse. Ali. Suisse. Pour nous lire. Ali. Suisse. Pour nous lire. Alors, on vous pose la question. Ah. Tu embouches chez moi. C'est pour dire en tout, ensemble. Tu embouches chez moi. Ah, tu embouches chez donc on souligne. On doit dire chez. On dit que non, c'est une phrase. Ah, non, on pose encore la question. Ali. Si Shen Masile. Ali Si Shen Masile. Ali Si Shen Masile. Ali
Shi ming se zhou. Zhou yu. Donc, on doit dire zhou yu. Ha. Sui si pu nu li. To zhou shen ma. Sui si pu nu li. To zhou wei yu pu fen. Oui, pour fin. Ha. Tozo, oui, pour fin. Oui, pour fin, djung, ayo, ige, djoué, djégo. C'est pour dire que nous, dans la partie du prédicat, on a encore une construction sujet-prédicat. Ah, nege, djoué, djégo, zai, na, ge, pour fin. Ha. Djoué, zai, na, oui, zai, na. Où se trouve le sujet dans la partie du prédicat et où se situe aussi le prédicat. Ha. Suesi. Ha. Suesi. Si je ne m'a silé. Zo. Je ne m'a chang fin. Ha. Suesi. Si. Tong se. Zo. Zo. Yu. Donc ici nous allons dire. Suesi. C'est un verbe employé comme sujet. Zo. Yu. Ah, pour nous lire, c'est un si. Oui, si oui. Ha. Pour nous lire, si oui, c'est Ali, c'est pour nous lire. Et si, du oui, du. Ali, si, je m'en suis dit, je m'en suis dit, Ali. Ha li shi ming se zo zu yu. Na, senza, sue si pu nu li zo shen ma. Sue si pu nu li zo wei yu pu fen. Na, sue si shi shen ma si li, zo shen ma chang fen. Ha, sue si shi tong se zo zu yu. Pu nu li na. Pu nu li, chuan bu zo wei yu pu fen. Sue si shi tong si zo zu yu pu nu li. Pu nu li zo wei yu pu fen. Di sang li ru. On doit prendre notre troisième exemple. On peut dire aussi encore. Lao shi gunzo hen ren zhen. Lao shi gunzo hen ren zhen. Et sa négation. Lao shi gunzo pu ren zhen. Lao shi gunzo pu ren zhen. Alors, pose encore la question. Tuenbu shi shenma. Ha, tuenbu shi ige tuise. Donc, c'est toujours une phrase. Donc, tuenbu shi. Tuise. Ha. Na. Lao shi gunzo pu ren zhen. Alors, on pose la question d'abord. Tuenbu shi shenma. Tuenbu shi shenma. Tuenbu shi tuise. Ige tuise. Ha. Senza lao shi shi shenma si le zo shenma chang fin. Lao shi shi ming se zo zu yu. Ha. Na. Gunzo pu ren zhen. Zo shen ma. Ha. Gunzo pu ren zhen zo wei yu pu fen. Ha. Gunzo pu ren zhen zo wei yu pu fen. Wei yu pu fen. Ha. Numéro 4. Regardez. Au niveau de gunzo pu ren zhen. On constate que nous, il y a encore une construction sujet-prédicat. Na, zhu yu zai na. Ha, gunzo shi zhu yu. Gunzo shi zhu yu. Pu ren zheng na, zhu shen ma. Ha, pu ren zheng shi wei yu.
好，仆人正式位于，那现在全部做什么？叫这个句子叫什么？ 是什么样的句子? C'est quel type de phrase? 这个句子叫什么? 是什么样的句子? 好，这个句子是主谓谓语句。 这是主谓谓语句的否定信息呢? 下面可以说这个句子。 这个句子是 主谓语句，这个句子是主谓谓语句。好，也可以说这个句子是主谓谓语句的否定信息。 为什么否定信息? 因为里面的句子也有否定副词"不"，"不"是否定副词，这是这之前我们讲过这个名词谓语句的否定信息，动词谓语句的否定信息，形容词谓语句的否定信息，现在就是主谓谓语句的否定信息。你们看看，怎么分析？怎么知道？ 主谓谓语句的否定信息。现在我们就是说，在谓语中的主谓结构的谓语，添加否定副词"不"，例如：老师身体不好，阿里学习不努力，老师工作不认真。 这个三个句子都是主谓谓语句的否定信息。好，现在我们继续讲性格，就是讲什么呢？怎么知道定语和中心语？还有动宾结构、接宾结构，也有数量词。怎么知道？现在我们可以查这个部分。 你们看看 ，regardez correctement comment localiser la forme négative de la phrase à prédicat sujet prédicat. Et c'est de cette façon. Donc ici on a la négation pour. Alors on a renjeng, gundo, laoshi, shanti, puhao, ali, suesi, punuli. Ce sont tous des phrases à prédicat sujet prédicat. Donc nous allons étudier comment localiser le déterminatif et le déterminé. À定语和中心语。 定语和中心语。Alors, concernant dingyu et dungsinyu, comment connaître le déterminatif et le déterminé dans une phrase.
Alors, par exemple, je peux donner une phrase. Est-ce que c'est possible de dire Laoshi, par exemple, Laoshi Kanguo. Laoshi Kanguo, ou soit Suesheng Chungwo. Regardez ces deux phrases. On a Laoshi Kanguo et Suesheng Kanguo. Donc, dans ces conditions, on ne peut pas dire Laoshi Kanguo, Suesheng Kanguo, parce que ici, c'est Kanguo qui détermine Laoshi. Donc, on doit dire Kanguo Laoshi. Ici aussi, c'est Chungo qui détermine Suesheng. Donc, Chungo Suesheng. Donc, ces deux phrases-là ne sont pas correctes en chinois. Donc, ici, nous allons dire. La première phrase, Kanguo Laoshi, ça c'est pour connaître le déterminatif et le déterminé. Alors, Kanguo Laoshi, l'humain d'attuse, Kanguo Shi Shenwa Sile, on a étudié les silés, les catégories des mots, les éléments de la phrase et les types de phrases. Alors, Kanguo Laoshi, on pose la question, Kanguo Shi Shenwa Sile, Laoshi Yeshi Shenwa Sile. On pose aussi la question, Chuenbu Shi Shenwa Diego. On touche à quelle construction? Chuenbu Shi Ming Si Diego. Alors, Ming Si Diego, Kanguo Do Shenwa. Kango shi ming si zo, ming si lao shi de ding yu. Ici, on doit dire Kango shi ding yu, lao shi si ta la zung sin yu. Donc, zung sin yu. Voilà. Donc, c'est Kanguo Laoshi et non Laoshi Kanguo, ou soit Chungo Suesheng et non Suesheng Chungo, parce que Kanguo détermine, qualifie le nom Laoshi. Donc Kanguo Shi Mingsi Zo Mingsi Laoshi da Dingyu, Laoshi Shi Mingsi Zo Zungsinyu, et quelque chose Laoshi Shi Tada Zungsinyu, Laoshi Shi Tada Zungsinyu. Ah. On va prendre encore le deuxième exemple. Chungo Suesheng. Alors, Chungo Suesheng. Chungo Suesheng, c'est chez Majigo. Ah, Chungo Suesheng Yeshi Ming Si Jogo. Chungo Shi Shenwa Sile. Suesheng Yeshi Shenwa Sile. Chungo Shi Shenwa Sile Zhou Shenwa Changfen. Chungo Shi Ming Si Zhou Ming Si Suesheng De Ding Yu. Chungo Shi Ming Si Zhou Ming Si Suesheng De Ding Yu. 现在, Yu Shi Shu Chungo Shi Ding Yu. Suesheng Shi Zungsin Yu. Ah, cinq choses. How Yundong Yuan, how Yundong Yuan Mekan, how Shi Shenwa Sile, Yundong Yuan Shi Shenwa Sile, how Shi Sirong Si Zhou Shenma. On me dit, c'est Ding Yu He Zhong Sin Yu.
Haoshi, singrong se, zo dingi. Hao yundung yuan shi, tada zung sini. Hao, c'est que tu sais. Ta shi wo de hao, ta shi wo de hao pongyo. Ta shi wo de hao pongyo. Hao, ni me kan. Ta shi wo de hao pongyo. Na, si chemin de tuze. Ha, si tong su weiju. Na, tong su weiju. Wo de hao pongyo. Wo de hao zo shenma. Wo de hao zo shenma. Je si tong su weiju. On va dire que Ding Yu et Zung Sin Yu Ta Shi Wo De Hao Peng Yu Wo De Hao Zou Shen Ma Ha Wo De Hao Shi Chuen Bu Je dis que Chuen Bu Shi Chuse Il de Chuse Ha Je Shi Ta Shi Shema Si Le Zou Shen Ma Chang Feng Ta Shi Zhu Yu, Renchen Tai Si, Ta Shi Renchen Tai Si, Zhu Zhu Yu. Hao, Sienzai, Si Wo De Hao Peng Yu Si, Wei Pu Fen. Hao, Wei Pu Fen. Ni me kan, Wo De Hao, Zou shen ma. Na, senza, on me dit, sen shu, on parle d'abord de wo de hao, wo de hao, wo de hao. La partie, wo de hao, zou shen ma, zou ding yu. Zou ding yu. Pong yu na, pong yu, zou dung sin yu. C'est à la Jungsini. Pongyo Shi. Tada Jungsini. Hayo Ige Chuse. Diwuge. Diwuge Chuse. Zhang Lao Shi Zhang Lao Shi Na Zhang Lao Shi Shi Shenma Jiegu Zhou Shenma Na Zhang Lao Shi Shi Ming Si Jiegu Zhang Shi Shenma Sile Zhou Shenma Changfen Lao Shi Ye Shi Shenma Sile Ye Zhou Shenma Changfen Ha Lao Shi Shi Ming Si Do Zhong Xin Yu. Zhang na? Zhang Shi Ming Si Zhou Ding Yu. Hao. Ding Zhang Shi Ding Yu. Ding Yu Lao Shi Shi Tada Zhong Xin Yu. Hao. Je Shi Wo Me Lai Shuo Ding Yu et Zhong Xin Yu, Zama Zidao, comment connaître le déterminatif et le déterminé? Donc, le déterminatif, ici, c'est pour qualifier le mot Lao Shi. Donc, on a soit Kango Lao Shi, on ne peut pas dire Lao Shi Kango.
Parce que c'est Kango Laoshi qui détermine le nom Laoshi. Chungo Sueshen. Hao Yun Tong Yuan. Ta Shi Wo De Hao Pong Yo. Donc, au niveau de là, on peut dire aussi tout ça, c'est d'abord Bin Yu Pu Fen. Dans la parole de Bin Yu Pu Fen, on a quoi? Wo De Hao Shi Ding Yu, Zhou Ding Yu, Pong Yo Shi Tada Zung Sin Yu. Zhang Laoshi, on ne peut pas dire Laoshi Zhang, c'est Zhang Laoshi parce que c'est Zhang qui détermine Laoshi, Zhang Laoshi, donc Zhang, Shi Ding Yu, Laoshi, Shi Tada Zung Sin Yu. Alors, Sile, on a étudié les Sile, catégories des mots. Sile veut dire catégorie des mots. Sile, Shama, Yomings, Tongs, Taes, Jes, Zhus, Singrongs, Deng Deng. Ici, ce sont les silés. Ici, c'est moi, silé, ming, si, zo, ding. Alors, ding, ici, c'est dans le tuze, tiang, fen. Tuze, tiang, fen, c'est pour dire les éléments de la phrase. Yo, chen, ma, yo, zo, yu, wei, yu, ding, yu, zung, sin, yu, bin, yu, zhuang, yu, pu, yu. Donc, pu, yu, on a le djé, bin, yu, djé, bin, yu, on a pu, yu. Donc, pu, yu, on a tiang, du, pu, yu, ding, ding. Ici, on parle de Ding Yu et Zung Sin Yu. Alors, nous allons continuer avec B. Tong Bin Diego. B. Tong Bin. Tong Bin Diego. Hao Tong Bin Diego. Where is Shen Ma Tong Bin Diego? Diego, Fire the Macho. Tong Bin, Fire the Macho. Ah, Diego, Fire the Construction Structure. Tong Du Chicho, Tongs. Donc, Tongs vous dit le verbe. Bin, c'est dans le sens Bin Yu, le complément d'objet du verbe. Donc, Tong Bin Diego. Donc, la construction verbal. Donc, le verbe est son complément d'objet. Tong Bin Diego. Je suis quand Kandege. Ding Yu, He Zung Sin Yu. Alors, nous allons passer à Tong Bin Diego. Alors, dans la construction verbale, ici on dit le verbe est son complément d'objet. Et ici, en chinois on dit Tong Bin Diego. Diego Fayu Damashu. Diego Fayu Dia. Construction, composition, structure. Tong Na. Ah, Tong Fayu Dia. Verbe. Bin. Complément d'objet. Ha, c'est là, ig, liru. Suez, hani. Suez, hani. Ha, quand Suez, regardez, la phrase Suez, hani. Suez, c'est une masse. Han Yu Ye Shi Shen Ma Si Le. Sue Si Shi Tong Si. Han Yu Shi Ming Si Zhou Shen Ma. Han Yu Shi Ming Si Zhou Tong Si Sue Si La Bin Yu. Sienza Ke Zhou Shen Ma. Chuenbu Zhou Shen Ma. Chuenbu Zhou. Zhou Nege Tong Bin Diego. Sue Si Shi Tong Si. Sue Si Shi Tong Si. Tong Si. Han Yu Shi Tada Bin Yu. Ah, Nege Diego. Nege Diego Jiao Shalma. Jiao Tong Bin Diego.
Ayo. Tu. Suisiao. Tu suisiao. Tu chichen masile. Suisiao y chichen masile. Tu chitongs. Tu chitongs. Suisiao na. Suisiao si mings zo tongs tu dabinu. Bini. Zo tong si tu, ming si zo tong si tu la bini. Tong si he, ming si, c'est un sué siao, pour dire école, employé comme complément d'objet de ce verbe tu, aller. Tu sué siao. Ma tong si. My tongues. My tongues. My shishin masile. Tongues ye shishin masile. My shitongues. Send that. My shitongues. There's a tongues shishin masile. A tongues ju shi mings zo shenma. A mings. Do, tong si, mai de, binu, senza ke si. Tong si. Tu, tada binu, tu chama, do, tong bin diego. De ce que tu es. De ce que tu es. On me can. Ce si hanu, tu sue siao, my tongs. Ayo, chenma. Can shu. Alors, quand je suis... Quand je suis, n'est-ce pas? Quand je suis... Quand je suis chinois, s'il est... Quand je suis tonce. Quand je suis tonce. Chou, je suis chinois, s'il est... Chou, c'est mince. Tu es un beau chinois, s'il est... Diego. Ah, tu es un beau chinois, ton bin, Diego. Na senza ke yu shu shama? Kan shi tong si. Kan. Kan shi. Tong si. Kan shi tong si. Kan shi tong si. Shu na. Shu shi ming si zo bini. Donc, je suis à la bini. Je suis au même, je suis au Tong Bin Diego. Tong Bin Diego, il y a au chanma. Il y a au Tong Se, je suis à la bini. Je suis un peu de au chanma. Do, Ige Diego, Diao, Tong Bin Diego. Ah, il y a au chanma. Il y a Sue Se, Han Yu, Tu Sue Siao. My tongues can show dang dang. Mais je sais quand Zamati Dao Tong Bin Diego. On me si un show du si Jung Sin Yu He Ding Yu He Jung Sin Yu. Senza Yo Tong Bin Diego. Donc ici Tong Bin Diego, c'est pour dire la construction verbale, le verbe et son complément d'objet. Juste le verbe et son complément d'objet. C'est comme on a su se khanyu apprendre le chinois. Tu suis allé à l'école. Ma tongue a acheté les objets. Les objets, bien sûr. Kan shu, c'est pour dire lire. Ça, tu peux dire aussi regarder
le livre. Mais ici, c'est dans le sens de lire. Kan, shu, parce que kan veut dire regarder. Shu, c'est un livre. Kan veut dire regarder. Shu, c'est pour dire un livre. Alors, pour aujourd'hui, on s'arrête là. On a étudié. On a d'abord commencé par Judah Fording Singsi. Et ensuite, on a Ding Yu, He Zung Sin Yu. Et le B, c'est le Tong Bin Diego. Et la prochaine fois, on viendra sur le Jie Bin Diego, Shu Liang Si. Donc, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Et vous aussi à la maison, et observez correctement le cours. Et écrivez, parce qu'en chinois, il faut beaucoup écrire et beaucoup lire aussi. Donc, ça, c'est juste comment connaître la construction verbale et comment déterminer aussi, soit connaître le déterminatif et le déterminé dans une phrase. Parce que tout ça aussi, on peut vous donner ça dans une phrase. Ça peut jouer aussi le rôle du déterminatif. Donc, il faut être prudent avec les phrases lorsque nous allons commencer à passer. Tout ça, ce sont les étapes de l'analyse. Pour vous, c'est juste une révision. Donc, concentrez-vous. Et il faut beaucoup écrire aussi, parce qu'on est en terminale. Il faut beaucoup écrire, parce qu'il faut faire la révision de tout ce qu'on a entendu. Ça, c'est une révision seulement, parce qu'on dit faut se étudier dans la salle avec vous. Donc là, on ne peut que faire la révision. Et je vous souhaite un bon travail, et une bonne journée. Zaijian.